Bonjour, ici Caroline Côté pour CGN TV. Selon les statistiques établies d'après la base de données provinciale centriste des courtiers immobiliers, 2590 ventes résidentielles ont été réalisées au cours du mois de novembre 2014 dans la région métropolitaine de Montréal, soit une baisse de 1 % par rapport au mois de novembre 2013. L'unifamilial a connu une baisse des ventes de 4 %. Les ventes des copropriétés sont restées stables et la catégorie des plex a pour sa part connu une augmentation de ventes de l'ordre de 17 % par rapport à novembre de l'an dernier. Deux secteurs de la région ont enregistré des hausses de ventes résidentielles, l'île de Montréal à 1 % et la rive nord à 3 %. Parmi les autres secteurs, Laval et la rive sud ont connu une légère diminution des ventes de 3 et de 1 %. Le secteur Vaudreuil-Soulanges a connu, quant à lui, une diminution plus importante de ventes de 19 %. Le prix médian des unifamiliales a augmenté de 2 % pour s'élever à 283 500 $. Le prix médian des copropriétés, à l'échelle de la région, a affiché une légère diminution de 1 % pour atteindre 230 750 $ et celui des plex a également diminué de 1 % pour atteindre 439 500 $. Pour plus d'informations sur les statistiques de vente du mois de novembre 2014, je vous invite à consulter le plus récent communiqué de presse disponible sur le site de la CIGM. C'était Caroline Côté pour CIGM TV. À très bientôt!